À Auvillers-les-Forges, il est une jeune femme qui a su se démarquer dans un métier rare, celui de l'illustration, et tout particulièrement de la création de dessins à colorier. Sabrina Beretta a d'abord été infographiste suite à l'obtention de sa licence en multimédia et art numérique à Paris. Dessinatrice dans l'âme et adepte des réseaux sociaux, c'est en partie grâce à ses premiers admirateurs qu'elle a choisi de se lancer dans cette voie et qu'elle a sorti son premier livre de coloriage en auto-édition en mai 2016. J'ai été toujours passionnée par le dessin, par le coloriage, donc depuis toute petite. Et c'est depuis 3-4 ans en fait que je me suis mise vraiment à dessiner pour mon plaisir, en fait par passion. Et après, c'est vrai que j'ai été vraiment supportée par une communauté d'internautes qui aimait vraiment énormément mon travail. Et du coup, je me suis mise à vraiment à développer un peu mon sens artistique justement dans ce domaine en faisant des dessins dans des thèmes que j'apprécie énormément. Par exemple, j'ai fait un premier livre de coloriage en auto-édition, donc en prenant trois grands thèmes que j'adore énormément, donc c'est-à-dire l'Égypte ancienne, le Japon et l'univers amérindien. Composé d'une multitude de détails, les dessins à colorier de Sabrina Beretta sont réalisés dans une technique qui se rapproche du mandala. Je me sers un peu de cette technique-là pour donner énormément de détails à mes dessins. Donc on appelle ça plus du doodle, du doodling en fait. Mmh. En anglais ça veut dire un peu gribouillage. Donc c'est des dessins que je fais de manière assez complexe avec une multitude de détails pour donner un peu plus de sens à mes dessins. D'une patience infinie lorsqu'elle travaille, Sabrina Beretta dessine directement sur son support pendant plusieurs heures. C'est des marqueurs de peinture en fait. Donc c'est la peinture acrylique qui est dedans. Et en même temps, je garde vraiment l'aspect du dessin, en fait. Mais bon, ça m'arrive aussi de faire à la peinture donc classique avec un pinceau. J'aime mieux cette technique, en fait, parce que je suis plus proche de mon support. Et en fait, c'est vraiment l'aspect dessin qui me plaît vraiment énormément. Tout particulièrement inspirée par la nature, les animaux ou les dessins plus ethniques, Sabrina Beretta laisse voguer son imagination pour un résultat toujours rempli de finesse et de délicatesse. Il n'y a pas forcément de règles précises à suivre en fait. C'est plus en fonction de mon inspiration, de mes émotions. Je vais essayer de retranscrire tout ça. Et ça vient vraiment comme ça au fil de l'inspiration. Laissez-vous porter par les rêves de Sabrina Beretta qui vient de publier un nouveau livre de coloriage aux éditions Hachette sur le thème du monde enchanté. Dessins à l'unité, créations uniques et autres ouvrages sont à retrouver sur la boutique Little Market de cette jeune illustratrice des plus douées.